Être premier ministre du Québec, c'est pas un concours de popularité. Sauf dans le monde de la corruption et du copinage, où je suis très populaire. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand le Québec vit une période de turbulence. C'est normal, la turbulence, parce que c'est moi qui ai les deux mains sur le volant, puis que les routes du Québec, c'est de la merde à cause de grâce à moi. Être premier ministre du Québec, c'est d'abord travailler dans l'intérêt de tous les Québécois. De tous les Québécois qui savent manier les enveloppes brunes, naturellement. C'est être capable de prendre des décisions qui sont souvent difficiles. Je vous fous-tu plus, un peu plus, énormément plus. Décisions difficiles. Mais toujours pour le long terme. Bon, l'important, c'est de vous fourrer longtemps. En d'autres mots, être capable de prendre des décisions qui sont responsables. Responsables de l'effondrement économique du Québec et du génocide culturel des Québécois. Quelles que soient les pressions. Les pressions exercées par la mafia, Paul Desmarais, Power Corporation. Ça peut jamais être parfait. Sauf que je suis capable d'être un parfait salaud. Puis on n'a pas réponse à tout. On répond juste aux journalistes qui sont de notre bord puis qui mangent dans notre main. Sauf qu'il faut à chaque fois regarder les choses en face. Et tourner le dos aux Québécois. Pour prendre les bonnes décisions. En cachette et voler les ressources naturelles du Québec. Pour tout le monde. Qui vous crosse. Et surtout pour la prochaine génération de Québécois. Qui sera moins éduquée et qu'on pourra donc mener par le bout du nez. En politique comme dans la vie. Il y a des menteurs et des crosseurs. Il faut avoir le courage de ses convictions. Et ça, c'est facile à dire quand tes convictions, tu les rentres de force dans la gorge des manifestants et des étudiants à coups de matraque et de balles en plastique. J'ai fait le choix de la responsabilité. Je suis donc responsable de la grogne et du mécontentement de la majorité des Québécois. Je sais que c'est le bon. Le bon temps de me crisser dehors. Le Parti libéral a assez duré. Crissons les libéraux dehors.